Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Another Code Recollection. On va attaquer le second jeu de la collection, et le dernier d'ailleurs, du coup. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit à la semaine prochaine, mais pas du tout. J'avais pas capté que j'en avais déjà tourné un, et que du coup, c'est cette semaine. On va commencer le jeu. A priori, il y a la GC Valley. GC Valley, 1994. C'est 3 ans après la naissance de d'Ashley, du coup. Ah! Elle était déjà dans... Oula! Elle était déjà dans un prototype de l'Another, du coup. Elle s'est fait modifier ses souvenirs, peut-être pour faire croire que c'était sa mère, ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est bien le point de départ du jeu, en tout cas le collier. On va avoir des explications sur tout ça, j'espère. Oui, c'est le principe du jeu. Papa et moi avons quitté l'île de Blood Edward ensemble. 2 ans ont passé depuis. Elle a donc 16 ans maintenant. Effectivement, elle a un peu changé. À l'époque, j'avais tout juste 14 ans. C'est vraiment juste après. Je me réjouissais de vivre avec papa. Enfin, juste après, non, il y a quand même 2 ans d'écart, mais... Mais non. Mais ça n'a pas été aussi simple. Du coup, elle prend le même train. Il m'a laissé quand je suis rentré au lycée. Ah, sympa. Il est parti travailler en tant que chercheur à GC Valley. Je rentrerai tous les week-ends à GC Valley, au même endroit que ta mère a bossé dans. Enfin, c'est ce qu'il a dit juste avant de partir pour le Lake Julie. Juliette. Mais il a fini par ne plus venir du tout. Ça va faire 6 mois que je ne l'ai pas vu. 3 jours plus tôt. Bon, le jeu s'appelle Another Code, hein, donc il y a encore l'Another qui est là. Hein. Viens à Lake Juliette, on fera du camping. Carrément. Genre, il sait que j'ai une vie. J'ai d'autres trucs de prévu, moi. Ah, elle est en voiture, je croyais qu'elle était en train. Elle est dans un bus alors, du coup. Ou un car, c'est pareil. Mais je m'inquiète pour lui, un car plutôt. A priori, c'est pas une ligne de bus. Another code R. Journey into lost memories. Donc les portes de la mémoire. C'est pas tout à fait les portes de la mémoire. La traduction, en tout cas en française. C'est plus voyage dans les souvenirs perdus, mais... Les portes de la mémoire, c'est plus... Plus poétique, on va dire. Et qui es-tu, jeune Jonathan? Pfiouf, enfin arrivé. C'est donc l'été, hein. Contrairement au bus. Et papa n'est pas là. Es-tu notre dit? Notre dit à nous. Le remplaçant de dit. Ah, il va se faire chourave son sac, évidemment. Ah oui. Jessica m'a dit de me prévenir. Mon téléphone. Il est dans mon sac. Ah. Oh. Mais d'où tu voles mon sac, toi? Mais rends-moi mon sac! Et plus de sac. T'as des problèmes de cœur comme Daniel? C'est chaud, là. Il m'a semé. Ah bah ça, c'est très con, par contre. T'as plus ton sac. J'en étais sûr. Par contre, qu'est-ce que... Pourquoi t'as posé ton sac? Je savais que j'aurais jamais dû venir. Oui, ça... ça commence très bien. Chapitre 1. Un souvenir inattendu.
Allez, un coup dans le caillou, s'il te plaît. Voilà. On a tous fait ça. Quelle galère. M'a piqué mon sac. Je fais quoi, moi, maintenant? J'avais toute ma vie dans ce sac. Portefeuille, mon tel. Je peux même pas contacter papa. Il y avait mes partitions dedans et mon nom sans plus. Ce gamin a sûrement déjà fouillé dedans. J'ai dû me trouver ridicule d'avoir encore un nounours. C'est bien les nounours. J'ai la poisse mondiale. J'ai 25 ans et j'aime encore les peluches, moi. Bon, je l'ai pas dans mon sac, mais quand même. Le pendentif de maman. De moment. Heureusement que je le portais. Ce pendentif. C'est tout ce qu'il me reste de maman. Bah, t'as des souvenirs, t'as un peu quoi. En fait, j'ai encore autre chose sur moi. Le DAS, ta-ta-ta. Le DAS que papa m'a envoyé. Encore. Non, il te l'a pas re-renvoyé. Pourquoi il m'a envoyé ça? Rien que voir ce truc. Ah, il te l'a re-renvoyé? Ça me fait penser à lui et ça me gave encore plus. Tu comptes plus pour ton père que tu ne le crois, Ashley. Je lui ai dit à quelle heure tu arrivais. Il viendra te chercher à l'arrêt de bus. Oh, Jessica. Non, papa est pas venu à l'arrêt de bus. C'est bon, là je me tire. Camping, non merci, je prends le prochain bus et bye. Elle a l'air déterminée. Oh, mais j'ai plus d'argent. Et je peux pas en fait. Mon portefeuille est dans mon sac. Alors je suis obligé de trouver papa pour pouvoir rentrer. Ok, direction le camping pour voir papa. Et dès qu'il m'aura donné de l'argent, je mettrai les voiles. Ça va pas se passer comme ça. Quant à ce gamin... Si je le revois, il aura intérêt à me rendre mon sac. Papa est peut-être au camping. Il va être au camping, évidemment. Par contre, pourquoi il nous a volé notre sac, ce con? Hein? Pourquoi il a fait ça? Alors? Non! Je peux pas regarder le... Oh non! Par contre, les deux... Ça y est encore, ok. Peut-être moyen qu'on y retourne. Indisponible. Il y a 9 messages. Clé d'Anosaur acquise. Ok. Alors, nous avons... Mémoire double. On a tout ça. Pourquoi il y a encore des modifications? Est-ce que ça va avoir un lien avec ça? Il n'y a plus dit. Oui, il y a forcément des modifications. Papa et Jessica ne pouvaient pas le voir, mais le capitaine, lui, le voyait. Ça m'a beaucoup surprise, mais le plus surprise, c'était encore dit. Je n'avais pas envie qu'il s'en aille, mais j'ai vu qu'il avait enfin l'air heureux. Je suis tellement content de l'avoir rencontré. Sans lui, j'aurais été toute seule. Je n'aurais sûrement pas retrouvé mon père et je n'aurais jamais réussi à secourir Jessica. Merci pour tout, dit. J'espère que tu as retrouvé ton père et que vous êtes heureux ensemble. Ça oui, il l'a fait. Ok, ok. Est-ce que Billy est vraiment mort? Je sais pas si c'était une mère exceptionnelle. Hein. Je parie que c'était une mère exceptionnelle. Elle est peut-être morte. Elle a un pendentif également. Est-ce qu'elle travaillait avec Sayoko? C'était Bill qui avait la photo, le même pendentif. C'est Jessica? C'est qui avait le pendentif? Ah, c'est Jessica. Non, c'est pas le même, tout à fait, mais... Non, c'est pas le même pendentif, ok. Capitaine, il a pu voir Dee. Ok, ok. Et là, tant que je le porterai, je sentirai sa présence qui va sur moi. Ok, donc là, je suppose qu'on a on a Ashley. Tout juste 2 ans sont écoulés depuis le voyage sur l'île de Blood Edward. Mon père et moi avons vécu ensemble quelques temps par la suite, mais entre nous, ça n'a jamais été très naturel. Au bout d'un moment, à peu près quand je suis entré au lycée, papa est reparti. Cette fois, son excuse, c'était le travail. Du coup, je me suis plongé dans la musique, ma passion. J'ai même acheté une guitare électro-acoustique pour devenir musicienne. Juste quand je commençais à prendre mes répétitions au sérieux, j'ai reçu une invitation inattendue pour faire du camping avec papa, comme si je n'avais pas mes propres plans pour l'été. Mais je ne pouvais pas vraiment refuser, alors je suis allé au camping, et surprise, surprise, papa n'était pas là à mon arrivée. Et en plus, un gamin m'a volé mon sac, c'est vraiment trop nul, j'aurais jamais dû venir. Chouin, chouin, je pleure. Ma mère est morte, le soir de mon 3e anniversaire, il y a 13 ans. Quand j'ai vu sa mort à travers l'Another sur l'île de Blood Edward, papa le tenait dans ses bras. Et elle avait une expression paisible sur le visage. Elle avait peur que l'Another puisse être utilisé à mauvais escient, alors papa l'a détruit. Pour mon 14e anniversaire, papa m'a offert le pendentif de maman. Tant que je le porterai, elle sera avec moi.
avec un bon thé de liaison qui n'existe pas. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai retrouvé mon père sur l'île de Blood Edward, après 11 ans sans lui. Ensuite, j'ai emménagé avec lui, mais 11 ans passés l'un sans l'autre, ça ne se répare pas si facilement. Notre relation s'est rapidement dégradée. Papa a quitté la maison pour aller travailler dans un lieu appelé GC Valley. Je crois que c'est à cause de moi qu'il est parti. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Tu ne prenais même plus la peine de rentrer le week-end depuis au moins 6 mois, et tout à coup, tu veux camper avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais GC Valley, c'est très très louche. Jessica est ma tante, et en gros, c'est la personne que je préfère au monde. Elle m'a élevé comme une mère depuis que je suis petite. Quand papa est venu vivre avec nous et que ma relation avec lui s'est dégradée, elle s'est beaucoup inquiétée pour nous. J'ai accepté d'aller faire du camping en partie parce que je voulais la rassurer. Elle m'a dit que si papa m'avait invité, c'est parce qu'il voulait me parler de quelque chose, juste tous les deux. Mais au point où on en est, qu'est-ce qu'il reste à dire? Moi, en tout cas, je n'ai rien à lui dire. En tout cas, à lui raconter. Le garçon qui a volé mon sac. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il court très vite. Je dois le retrouver et récupérer mon sac. Il y a toute ma vie là-dedans. J'espère qu'il ne l'a pas encore fouillé. Mais qui c'est ce garçon? Et pourquoi a-t-il volé mon sac? C'est étrange. Et Richard. Je suis contente qu'on le connaisse. Il a retrouvé ses vrais souvenirs. Ok. Ben voilà. Hop. On va pouvoir reprendre notre route. Allez. Welcome to Lake Juliet. Bon, lapinou. Bonjour, petit lapin. Panneau. Waouh, Lake Juliet, un endroit vraiment impressionnant. Ah bon. Pourquoi on nous a volé notre sac? Zone de l'accueil. Est-ce qu'on a une carte? Non, il n'y a pas la carte. Il n'y a plus les photos du premier jeu dans le DAS non plus. Ça fait longtemps que je marche, je pourrais faire une pause ici. Non, je devrais juste aller demander à papa l'argent pour le bus et rentrer directement. Lake Juliet. Alors, tous les visiteurs doivent s'inscrire à l'accueil du camping en arrivant. Vous recevrez un pass pour entrer dans le camping. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Et voilà, terminé. Excusez-moi. Oh, salut. Salut. Quelle pêche, dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous savez où est l'accueil? Bien sûr, l'accueil, c'est le bâtiment blanc juste là. Merci. Ah d'accord, ok, moi je voulais savoir qui t'étais, ce que tu faisais là. Mais t'es un gars de la sécurité, j'ai l'impression. En tout cas, un garde forestier, quelque chose comme ça. On va rentrer là-dedans. Quelque chose me dit que son père, il va pas y être au camping. Hein. Hello. Bonjour. Et y a personne. Il y a personne ici. De la musique. Ce camping, il y a un hymne. Ouais, vraiment pas mon truc. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Non, c'est quelqu'un qui chante ça, non? Oui. Oh, et une cliente est ici. Il y a une pièce au fond. C'est une remise, l'endroit désert. Distrib de chewing-gum. C'est bien le chewing-gum, mais je vois pas comment en acheter un. On dirait que les pièces normales ne rentrent pas. Peut-être qu'il faut un genre de jeton. Ah, il vit sa vie, le gars qui chante. Hein. Staff only. Une entrée réservée au personnel. La porte est verrouillée. T'essayes de rentrer quand même. Hein. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Fermé temporairement. C'est une affiche pour un hangar à bateau. Il se trouve aussi au camping. Oh, c'est écrit que c'est fermé temporairement. C'est dommage de ne pas pouvoir faire du bateau quand on séjourne près d'un lac. J'ai dû s'absenter. C'est pas bon pour les affaires qu'il n'y ait personne. Je devrais peut-être repartir. Ta-ta-da, y a des brochures. Mais moi je regarde. Hein. Programme zéro déchet à Lake Juliet. Recyclez vos canettes vides et gagnez des jetons. Ah, pour acheter des chewing-gums. Réfrigérateur. Oh, c'est une stéréo qui diffuse la musique. Cette stéréo est bien trop classe pour jouer uniquement cette chanson. Ah, si je devais écouter ça à longueur de journée, je crois que j'en ferais des cauchemars. Réfrigérateur. Le réfrigérateur est rempli de boissons. Ça a l'air rafraîchissant. Oh, ils ont du cool pop, mais je vois aucun employé dans les parages. Doudoudou. The sky is blue. Sing to.
L'écriture donne des détails sur la pierre aux couleurs étranges. Qu'est-ce que c'est? Pierre arc-en-ciel magique. Comment ça magique? Allez, y a rien. Y a rien à voir circuler. Bam 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 bam. Il va être parti? Non, il est encore là. Comment je fais? Y a personne. Aidez-moi, monsieur Lejean. Tu es allé à l'accueil? Oui, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que c'était fermé. Bizarre, ce n'est pas normal. Il a encore dû prendre une pause. Qui ça? L'étudiant qui bosse de temps en temps à l'accueil. C'est le gamin. Un peu fainéant d'ailleurs, le jeune. Il prend pause sur pause. Ah, d'accord. Je suis sûr qu'il reviendra dans un instant. Bon, je patiente alors. Bonne idée. J'ai la poisse mondiale. D'abord, on me pique mon sac. Ensuite, il n'y a personne à l'accueil. Il m'arrive tuile sur tuile. Quelque chose ne va pas? Je suis Dan Maxwell, le garde forestier. C'est un garde forestier. Il y a l'accoutrement. Dan Maxwell. On présente les personnages comme ça maintenant. Oh, cool. Vous êtes un genre de policier? Je suis chargé d'aider les gens, c'est vrai. Appelle-moi Dan. Et toi, quel est ton petit nom? Ashley. Ashley Mizuki Robbins. Eh bien, bonjour Ashley. Tu peux me raconter ce qui ne va pas? Quelqu'un m'a volé mon sac. Quoi? Mais c'est scandaleux. J'étais à l'arrêt de bus et un garçon est arrivé par derrière. Il a attrapé mon sac et il l'a détalé. Un garçon te dit? Je venais de descendre du bus. La poisse mondiale, hein? Je vois. Désolé pour toi. Tu peux me décrire ton sac? C'est un sac à dos bleu. Il fait à peu près cette taille. Merci, c'est noté. Je repérerai peut-être le garçon et ton sac pendant ma patrouille. Merci beaucoup. Va quand même remplir un constat de vol à l'accueil. Et préviens aussi tes parents si ce n'est pas déjà fait. Ils sont quelque part dans le coin? Papa est au camping. Enfin, je crois. Voilà qui me rassure. Deux êtres secoués, mais je suis sûr que tu iras mieux quand tu verras ton père. Si c'était un père normal, peut-être? Enfin, bref, oui, j'espère. L'étudiant doit être revenu de pause maintenant. Pourquoi ne pas refaire un tour à l'accueil? Oui, ok, merci pour votre aide. On est d'accord que l'étudiant, ça va être celui qui nous a volé le sac. On est d'accord pour dire ça. On le sent venir. On le sent arriver. On serait presque déçu s'il n'était pas ça. Il n'y a personne. Tiens, des souvenirs, mais comment je les paie? Pa-pa-pa, la-la-la. Non, il y a personne. Volé, on va regarder là-dedans. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un. Ah non, c'est pas lui. Sûrement l'étudiant. Bonjour. Il y a quelqu'un, il ne doit pas m'entendre. Il a son casque. Et oh. Me tourne le dos, il ne m'a même pas remarqué. Il y a des écouteurs, il ne m'entend sûrement pas non plus. Oh et oh, il y a une cliente, on se retourne. Là, il y a un réfrigérateur. Quel réfrigérateur gigantesque, je me demande ce qu'il contient. Un haut-parleur. Ah ah. Je me demande à quoi est relié ce câble. Câble jaune, tiens. C'est vraiment pénible. Comment je vais attirer son attention? Ah ah, bonjour, câble stéréo. On va brancher le jaune. C'est avec ça qu'on contrôle la musique. Le câble jaune s'est détaché de la sono. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de son. On va voir l'arrière de la sono. Je pourrais le brancher là. Je vais le brancher là, évidemment. Tu devrais brancher le haut-parleur de la remise de la sono. Il n'entend rien, il réagit toujours pas. C'est pas assez fort, que faire? On va tourner le volume. Déjà, on va mettre play. Voilà, il va se bouger là. Oh, Lake Juliette. Dou, dou, di, dou, dou, di, dou. Lake Juliette, yann, you. Ah, c'est trop. Hé là, stop! Hein? Oh! Bonjour! Ça va bien de travailler. Bon, c'est pas celui qui nous a volé. Je suis agréablement surpris. Hé là, pas touche au bouton. Mais j'ai pas fait exprès. T'es qui, toi? Une cliente? Je demandais de l'aide, mais t'avais l'air de rien entendre. Oh, désolé. Qu'est-ce que tu faisais là derrière? J'écrivais une chanson. Sérieux, tu écrivais une chanson? Ouais, pendant ma pause. T'étais en train de danser. Mais quand un client arrive, il n'y a plus de pause qui tienne. Bon, bah dis-moi tout, alors. Je veux ma carte. Bonjour, bienvenue à Lake Juliette. Le boulot reprend, hein? Je m'appelle Tommy Harrison, chef d'équipe de l'accueil du camping. T'es un étudiant? Ok, t'es chef d'équipe en étudiant, carrément. Chef, on m'a dit que tu bossais juste quelques heures par-ci par-là. Qui t'a dit ça?
Dan, le garde forestier, m'a parlé de toi. Il a dit que tu étais un peu fainéant, du genre à enchaîner les siestes, si j'ai bien compris. Sérieux, il a dit ça? C'est cette chanson, elle me... T'inquiète pas. T'inquiète, je sais, j'ai entendu, inutile d'insister. Oh, hein, on se comprend. Elle est entêtante, avec ça, pas facile d'écrire sa propre musique. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais m'inscrire pour le camping. Ok, un petit instant. Et signaler un rapport de... de vol aussi. Voilà le formulaire, il n'y a plus qu'à signer. Ashley Mizuki Robbins. Ashley? Oh, tu dois être la fille du professeur Robbins. Il m'a prévenu de ton arrivée et il m'a demandé de t'aider. Il t'a demandé de m'aider au lieu de venir me chercher lui-même à l'arrêt de bus? J'hallucine. Carrément professeur quand même. Et voilà, utilise ce passe pour circuler le camping. Mais je crois que sa mère aussi était professeur, j'ai déjà fait la remarque. Le portail d'entrée est toujours fermé, mais avec le passe, tu pourras entrer. Reçu passe visiteur. Mais je suis pas un guest. Tu as des bagages? Ou tu es du genre voyager léger? J'avais un sac, mais un garçon me l'a volé. Sérieux? La galère. Ah oui, Dan m'a dit de signaler le vol ici. Je peux faire ça maintenant? Bien sûr. Et hop, un autre formulaire à remplir. Voilà le formulaire. Remplis-le et je le remettrai à la police. On m'a volé mon sac. C'était un jeune garçon. Il était blond. Et voilà. Ah, il était pas tout à fait blond. Lui, il est plus blond. Il était un peu plus blond-brun. Tout semble en ordre. Je m'occupe de la suite. Châtain, ça doit être. Merci, Tommy. Il arrive un tas de trucs arbres ici ces derniers temps. Comment ça, des trucs arbres? Tu écris de la musique. Trop cool. Tu m'as dit que tu écrivais une chanson. Ouais. J'écris des chansons pour mon groupe. Cool. D'abord, je trouve la mélodie et les enchaînements d'accords. Et ensuite, avec le reste du groupe, on bosse sur les arrangements. Voilà, wow, classe. Excuse, je pourrais causer de ça toute la journée. Quand je parle Zik, j'ai du mal à m'arrêter. Le patron aimerait que je mette autant d'énergie à bosser. Et les trucs bizarres, qu'est-ce qui se passe au Lake Juliette? Quel genre de trucs arbres? Rien d'ultra grave, plutôt une série de petits incidents. Genre, il y a 3 jours, de la nourriture a disparu de la réserve. Ouais, des vols, quoi. Vous avez un voleur? Aujourd'hui, on te vole ton sac? Sans parler du type louche en costard noir qui séjourne ici tout seul. Pas le genre à faire du camping, celui-là. J'espère qu'il va pas nous attirer des ennuis. C'est dangereux, ici? Pas vraiment, non, c'est une petite ville paisible. Je bosse ici depuis 3 ans et il n'y a jamais eu de soucis. Je travaille ici depuis super longtemps. Je suis pote avec le proprio, il me laisse bosser ici pendant les vacances. Mais j'aurai mon diplôme en fin d'année, alors c'est ma dernière saison. Ok, tout est en règle. Bon séjour à Lake Juliet. Merci. Oh, encore un truc. C'est ton premier séjour ici, pas vrai? Ouais. Alors tu devrais jeter un œil à la boutique. Tu y trouveras des boissons, des souvenirs, un caillou de la mine. Un caillou. C'est plus cool que ça en a l'air. Prends une photo, tu verras. Oh, il y a des trucs en promo. Tout ce qui est sur cette étagère coûte 5$. Sympa, dommage que j'ai pas d'argent sur moi. T'inquiète, pas besoin d'argent, tu peux payer avec ton pass. Je peux l'utiliser pour payer. Ouais, le pass enregistre tes achats et tu payes en partant. Toi, j'imagine que ta note sera réglée par... mon père. Voilà. Tout bien réfléchi, je vais peut-être acheter des trucs. Effectivement. Ta-ta-ta, il m'a demandé de prendre une photo de ça. Et moi, forcément... Effectivement, il y a la photo à côté. Est-ce que ça va faire quelque chose? Ta-ta-ta-ta... Dou-dou-dou-dou-dou... Non. Oh, alors, si je regarde la photo que j'ai prise... Ah, elle est arc-en-ciel, incroyable. Jolie, pas vrai, la couleur change sur les photos. Waouh, jamais vu un truc pareil. Ces pierres étaient extraites, des mines de la région autrefois. On va prendre une boisson. C'était Cool Pop, elle a voulu. Elle voulait un Cool Pop. Du Cool Pop, j'adore, c'est rafraîchissant. D'ailleurs, j'ai soif. On va acheter un Cool Pop. Ta-ta-ta-da. Reçu un Cool Pop. Il y a vraiment une canette qui est partie. Merci. Je peux prendre un autre Cool Pop? On va prendre une bouteille d'eau aussi. Cette bouteille d'eau est un peu trop grande pour le transporter sans mon sac. Il vaut mieux d'acheter une canette de jus de fruits ou un truc du genre. Ta-da-ta. Ce jus-là ressemble au goût de Cool Pop favori. Je me demande quel goût ça est en fait. Achète. Vas-y, achète. Reçu juice pineapple. Merci. Pineapple. Non, on va prendre plutôt la cherry. On va prendre la cerise. Jus de fruit rose. Ah non, c'est canberry. Merci. C'est pas cherry. Bon. Câble stéréo. On peut pas acheter des chips. Parce que 3 canettes, c'est beaucoup. Bonjour Tommy. Admire donc nos souvenirs.
On va acheter un souvenir. Il y a une section de présentoir sur, sur les souvenirs. Il y a des chips. On va prendre des chips. Oh, des chips. Alors, quel goût elles ont? Moi, j'achète des chips. Mais c'est... ça, c'est fou que ça, dynamiquement, ça se barre. Est-ce que je prends une casquette? Il y a du soleil. Ta-ta-ra-ta-ta. Ça, c'est vraiment un souvenir typique. Mais je trouve ça plutôt pas mal. On va acheter une casquette. Évidemment, elle est verte. Merci. Moi, je dépense tout. Hein. Ta-ta-ra-ta. Est-ce que je peux mettre la casquette? Utiliser. Ah non, d'accord. Je peux pas la mettre. Ta-ta-ra-ta. On peut combiner. Bon, on va se barrer. Hein. Oh, ok. Je demande à Tommy où réside mon père. Ah bah oui, d'accord. Ta-da-ta. Oui. Je voulais te demander où se trouve le camping. Tu ne sais pas où tu dois aller. J'ai un appel. Tu peux patienter une minute? C'est des clients avant le téléphone. Hein. Allô? Salut, c'est moi. Il y a un souci? Écoute, tu pourrais... Pas maintenant, je bosse. Allez, pas longtemps. 100% c'est le gosse. Ok, ok, je viens plus tard si j'ai le temps. Ils sont frères. C'est son petit frère à lui. Une amie qui me demande de squatter avec elle au camping. Ah non, pas du tout. Il faut que j'arrête de dire que le gamin, il est là partout. C'est juste un gamin. C'est là où tu vas séjourner. Tu vas la rejoindre? Possible. Oh, cool. Tu as peut-être besoin de savoir où aller. Tu vas juste entrer par le portail et prendre à droite à l'embranchement. D'abord le portail, puis à droite. Compris. Encore une chose. On a une brochure. Elle contient une carte de la région, ça peut toujours servir. Ah ben voilà. Ta-da, brochure de Lake Juliet. Ah, Lake Juliet, c'est la ville. Ok, ok, ok. Il y a le camping, il y a la GC Valley. D'accord. La carte est désormais disponible. C'est tout, amuse-toi bien. Ah ouais. The theme song is stuck in my head. Tu m'étonnes. J'ai acheté des souvenirs. Mais je ne peux pas aller là. Allez-y. J'aime bien l'ambiance là. Ça change du manoir renfermé. Là on est en extérieur, en plein été. Ça change un peu, je vous avoue. Oh, un oiseau. Est-ce que je peux le prendre en photo, le oiseau? Non, je peux pas prendre en photo le oiseau. Mais il faut que j'appuie sur A, je suis con, ça fait pas, ça scanne rien. Ça m'étonne un peu que le facteur vienne juste ici. Mais c'est son boulot. Enfin. Campsite. Welcome to Lake Juliet. Appareil. Bip, c'est le dispositif de sécurité. Ok, il faut que j'utilise ça. Est-ce que je peux mettre la casquette du coup? Oh non, c'est dommage. On va se boire un... Boire, je peux boire. On va boire le cool pop. Ah, le cool pop, j'adore, c'est toujours aussi rafraîchissant. Reçu canette vide. Et on peut recycler nos canettes vides. Pas question que je la jette par terre, je vais chercher une poubelle, évidemment, mais on va la recycler d'abord. Bref. Bon, enfin, on va s'arrêter là pour cet épisode, c'est un bon moment, je pense, pour s'arrêter. Et c'est pas mal, on va sauvegarder. Non, je veux garder ce fini, qu'on puisse recommencer le jeu depuis le début. Sans avoir à refaire le premier si jamais. Et puis voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ce sera là cette fois, la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde.